C'est le 13e jour. On est parti ce matin un peu plus tôt que d'habitude. On a réussi à partir dans les environs de 9h. N'est-ce pas? Pour une fois. On n'a pas trop traîné, mais on a un peu traîné parce qu'on a discuté avec notre hôte, qui était le propriétaire d'une belle ferme dans laquelle on a dormi dans un petit chalet en bois, c'est ça? Ouais. Donc c'était pas mal, sympa, à part que t'es pas très bien isolé. Et ce matin, il faisait 10 degrés, donc réveil, donc il faisait un petit 15 à l'intérieur, je pense. Donc il faisait un peu froid, bon. Il y avait des grosses couettes, mais c'était pas un peu frais, quoi. Et donc, la petite anecdote du jour, c'est que notre magnifique hôte a craché 3 fois son hélicoptère. Et une fois, il l'a fait couler dans la mer. Et il était, et à bord, il y avait l'évêque, c'est ça? Ouais. Et le préfet. Voilà, bon, c'était drôle, petite anecdote assez sympathique. Donc derrière moi, il y a un beau petit château. Alors, je pense qu'on va rien voir parce que le château n'est pas du tout éclairé. Voilà, pas grand chose, c'est pas grave. Voilà, on n'a pas fait de petites vidéos dans la ville, on était à Saint-Hilaire. Parce que j'ai passé devant l'église et puis c'était pas ouf, il y avait de la route, tout ça. Donc on s'est posé un peu plus loin pour faire cette vidéo. Donc la suite des étapes, c'est on va direction Sainte. À laquelle Marion va prendre son train pour rentrer chez elle. L'objectif c'est avant 13h à Sainte. Il faut démonter le vélo. Ouais, il faut aussi qu'on démonte le vélo et qu'elle parte avec. Donc voilà, on va voir si cette fois-ci on va réussir notre objectif, pas comme l'autre fois avec Myriadec où on l'a pas retrouvé pour faire son petit repas. On a toujours son café. Ah oui, petite anecdote, il nous reste encore un peu de son café. Donc je le garde pour cet après-midi avec un peu de lait, ça va être parfait pour... Donne un petit coup de fouet pour attaquer une portion de probablement environ 20 km, je crois, pour aller à Ponce.